Hola a todas y todos, soy Marta Trivi y hoy me acompaña un representante de la Biblioteca Nacional de Francia, Janis, y un desarrollador, sobre todo que se dedica a, a la escritura de videojuegos y también al diseño, que trabaja para, para P The Pixel Hunt, se llama Florent. Vamos a hablar de un proyecto que han hecho conjuntamente los dos equipos. Se trata de un juego pues, que tiene sobre todo interés divulgativo en el ámbito de la literatura, sobre todo y que puede jugarse gratuitamente en las bibliotecas de Francia. Es una visual novel que lo que intenta, además de entretenernos, evidentemente, es eh, pues contar un poco, informar al jugador cuáles son las características de, de la fantasía como género literario, cuáles son pues, eh, las características que definen a la literatura fantástica y para que nos cuenten un poco cómo ha sido desarrollar este proyecto y cómo trabajan en Francia conjuntamente las instituciones culturales junto con los desarrolladores de videojuegos, vamos a hacerle unas cuantas preguntas pero antes los saludamos así que eh... hola Janis cómo estás bonjour Marta merci de nous recevoir merci al l'institut français de nos permettre de nous exprimer avec florent sur ce très beau projet de fantasy pues muchas gracias bienvenido y saludo también a, a Florent. ¿Cómo estás? Hola. Bonjour Marta, ça va bien, gracias. beaucoup. Y puis euh, pareil que Yanis, ravi de estar aquí para discutir un petit con avec vous de, de nuestro jeu. Me gusta mucho, por cierto, tu fondo. Es muy apropiado para hablar de videojuegos. <laughs> Dicho eso, eh, vamos a pasar ya a, a las preguntas sin tiempo que perder. Y me gustaría empezando preguntar, o sea, me gustaría empezar preguntando a Yanis, como representante de la Biblioteca Nacional Francesa, ¿cómo surge? La, la idea del proyecto, porque normalmente la gente piensa que los videojuegos y la literatura son un poco como enemigos y que la gente que juega videojuegos no lee y que la gente que lee no le interesan los videojuegos. Así que, ¿cómo, cómo surge esta idea? Entonces, on peut dire qu'il y a dos courants principales qui ont prévalu a la, la, la idea de hacer un site y un jeu vidéo autour de la fantaisie. Euh, le premier, c'était tout d'abord l'actualité de la Bibliothèque nationale de France qui proposait une exposition euh, patrimoniale sur l'héritage et sur l'influence de Tolkien dans le milieu de la littérature et notamment de la fantaisie. Et euh, une exposition qui a été présentée à la BNF euh, au printemps dernier, qui a eu énormément de succès, qui a été l'une des, des plus grandes expositions de la, la Bibliothèque nationale de France de ces dernières années et l'idée pour la bibliothèque nationale de france de s'appuyer sur cette exposition tolkien pour présenter un genre de littérature qui est à la fois très ancien ou qui puise ses racines ou ses sources dans des origines très anciennes et qui est à la fois un genre très moderne qui s'est justement concrétisé sous l'influence de tolkien mais de quelques autres auteurs anglo-saxons et pour ensuite essaimer au xxe siècle sur des supports très diversifiés très variés pour devenir un, un, un genre multimédiatique dans lequel le jeu vidéo a une très forte importance. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous nous sommes associés avec Florent, justement, pour pouvoir raconter une histoire qui soit à la fois une histoire historique, de la littérature, puisque la littérature de fantasy, c'est la littérature du merveilleux, et puis en même temps de s'approcher des usages, des pratiques des plus jeunes, mais de, des aussi des moins jeunes, puisque je pratique moi-même le jeu vidéo, je sais que Florent aussi. Donc finalement, ce sont des genres, des genres qui, à la fois littéraires et en jeux vidéo, ont acquis une certaine lettre de noblesse dans ces dernières années. Et on voulait aussi, la Bibliothèque nationale de France voulait proposer à un public un peu plus jeune peut-être que ses publics habituels, euh, un site de référence, un jeu vidéo, un visual novel qui parle de cette fantaisie-là, qui exprime... Ce qu'est la fantaisie? Je peux peut-être la définir en, quelques, en deux phrases. La fantaisie, c'est ce qu'on appelle en français la littérature de l'imaginaire. Euh, on en conserve le terme anglo-saxon, puisque c'est un terme qui a été forgé euh, au 19e et au 20e siècle pour raconter cette, euh, cette, euh, cette naissance, cette, cette création de ce genre, d'un monde qui est à la fois merveilleux, qui puisse des racines aussi bien dans, le, dans la plus haute antiquité, mais aussi dans la période médiévale. Mais qui a été fixé réellement à un moment clé de l'histoire occidentale, au moment où la société industrielle commençait à, à provoquer des ravages, aussi bien dans, au niveau éco écologique, euh, au niveau aussi de l'organisation sociétale des hommes et des femmes, et puis qui répondait aussi à une, une attente du public d'essayer de conserver un, un, un monde antérieur qui était en train de disparaître sous ses yeux et que la fantaisie a essayé de faire exister et essayer de euh, de, de nous faire rêver aussi avec cette, cette fantasmagorie, cet univers merveilleux où le, le surnaturel, le, le magique intervient dans des situations courantes ou semble être mêlé avec la vie quotidienne. Et puis dernière chose, et je passerai la parole à Florent bien sûr, euh, dernière chose, c'est aussi la fantaisie, le genre littéraire qui est actuellement lu, le plus lu par les nouvelles générations. Tous les enfants aujourd'hui lisent de la fantaisie. Voit des films de fantasy, suivent des séries de fantaisie. On n'a qu'à voir le succès de Game of Thrones ou de la série Viking dernièrement, qui cartonne sur les grandes plateformes de, de diffusion euh, internationale. Et puis, paradoxalement, ce genre littéraire euh, n'était pas étudié à l'école. Et la Bibliothèque nationale de France a décidé justement de répondre à cette, euh, à ce manque, en fait, euh, de proposer un site qui raconte ce que que la fantaisie, qui propose aussi des parcours pédagogiques pour les élèves en classe. Et aujourd'hui, la pédagogie, l'éducation a aussi évolué. On n'est plus dans un rapport entre le sachant et l'apprenant, on est plus dans une sorte d'interaction. Et pour cette interaction-là, pour pouvoir embarquer les enfants, la jeunesse dans ce genre littéraire, quoi de mieux que le jeu vidéo et quoi de mieux comme, comme genre que le jeu vidéo pour pouvoir exprimer la fantaisie Je pense que là, je peux passer le relais à, à Florent. Qui lui sera beaucoup plus à même de vous expliquer justement le, les origines de ce projet et puis l'importance du jeu vidéo dans la fantasy. Eh, pues, Siguiant avec con con la partie, eh, pues, le principe du développement du projet, je crois que depuis la industria del videojuego, nous avons très bien ce que a fait la, la fantasía pour le videojuego. Mais me, me gustaría que me explicaras aussi un peu ce que peut faire le videojuego pour le género, especialmente pour le género fantástico eh, en literatura. Moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant cette idée, cette question de se dire comment est-ce qu'on peut faire un jeu vidéo, non pas de fantaisie, mais faire un jeu vidéo qui va essayer de raconter ce qu'est la fantaisie. C'est pas exactement la même chose. Il faut savoir que nous, à The Pixel Hunt, on a cet euh, cette ADN qui est de faire ce qu'on appelle des jeux du réel, c'est-à-dire des jeux qui, d'une manière ou d'une autre, systématiquement, vont raconter quelque chose sur le monde qui nous entoure. À chaque fois qu'on fait un jeu vidéo, on essaie de proposer une expérience qui sans être une expérience de formation ou un serious game, comme on, comme on dit, j'aime pas trop ce terme d'ailleurs, euh, mais en tout cas a quand même une portée autre que le simple divertissement, Et en l'occurrence pour nous, puisque je suis un ancien journaliste, une portée qui est de raconter le monde d'une manière ou d'une autre. Et euh, quand on a commencé à travailler avec la BNF sur euh, le royaume d'Istiald, donc le jeu qu'on a fait ensemble, l'approche a été très intéressante parce qu'on était dans un univers qui... Euh, était connu des joueurs de jeux vidéo, puisque comme Yannis euh, tu l'as rappelé, il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont dans l'univers de la fantasy. Probablement euh, parmi les plus gros succès de l'histoire des jeux vidéo, euh, certains sont dans le, cet univers-là. Et donc euh, finalement, l'univers euh, est connu d'une partie des joueurs, mais euh, peu de ces jeux vidéo s'inscrivent dans une volonté presque un peu patrimoniale de raconter ce que c'est que ce genre. Or, euh, le, la collaboration avec la BNF, elle allait vraiment dans cette direction-là, dans ce désir-là, qui était de dire, euh, est-ce qu'on peut faire un jeu qui va non seulement être un jeu qui se passe dans un univers de fantasy, mais surtout qui va être une introduction au genre littéraire, à, à l'univers qu'est celui de la fantasy. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que ça nous permettait de nous dégager des genres qui sont des genres de jeux vidéo qui sont habituellement dans les univers de fantasy qui sont des jeux d'action des jeux de stratégie des jeux où on se bagarre où on tue euh, des trolls des, des gobelins etc et, et j'ai rien contre ces jeux du tout d'ailleurs il m'est arrivé d'y jouer euh, par le passé euh, mais c'était pas du tout euh, un format qui euh, qui se prêtait à, à, à l'ambition qu'avait la BNF euh, et donc nous on a pu employer un format qui est celui du visual novel qui est un peu plus littéraire donc ça nous arrangeait bien parce qu'on racontait les, les racines d'un genre euh, en utilisant une forme qui était un peu un hybride entre les origines littéraires de la fantasy et euh, le, 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 le comment dire le courant qui s'est le plus emparé récemment de la fantasy qui était celui du jeu vidéo. Évidemment, les gens qui sont habitués à jouer à World of Warcraft ou à, à regarder Game of Thrones, peut-être euh, quand ils jouent au Royaume d'Istial, me sont un peu en manque de d'action et de bagarre et de tranchage de tête. Mais je pense que c'est compensé par euh, bah, une vraie introduction, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec le fait qu'à la base, la fantasy est un courant littéraire, une vraie introduction avec son monde, avec ses, ce qu'on appelle ses tropes, ses, euh, ses, ses clichés, ses personnages principaux, ses grandes... Euh, ces grandes intentions qui sont partagées par plein des ouvrages les plus, les plus fameux de, du genre de la fantaisie. Alors nous, on a essayé d'être relativement classique justement parce qu'on était un propos liminaire et introductif au site d'un million de caractères euh, qui racontent, pour le coup euh, toute la diversité de la fantaisie mais on se disait que ouais le jeu vidéo et particulièrement à la forme de visual novel pouvait être une vraiment bonne porte d'entrée dans tout le travail qu'avait fait la BNF sur le sujet pour présenter la fantaisie dans toute sa diversité. Eh, pues, eh, Florent, quiero seguir contigo, eh tú has trabajado como comme desarrollador en varios proyectos comerciales con tu, pues, tu studio de Pixel Hunt et je voulais te quelle est la différence eh, travaillant pues, en un jeu avec un caractère divulgatif et cultural et en un jeu pues, qui que para, para est fait pour le grand public. Alors c'est vrai que oui, euh, comme je l'ai déjà un petit peu dit, euh, quand j'ai créé The Pixel c'était vraiment avec une intention qui était d'utiliser le jeu vidéo comme un média pour parler du réel. Et ça, c'est mon passé de journaliste qui, qui faisait ça, qui faisait que j'étais intéressé à la fois par bah, euh, les missions du journaliste qui sont de raconter un petit peu le monde autour de nous et de le transmettre euh, euh, aux gens euh, et puis euh, mon passé de joueur qui était de me dire mais en fait peut-être que le jeu en tant que média peut être super intéressant pour faire ça et donc tous mes projets précédents la plupart l'extrême majorité en tout cas avaient ce rapport un peu direct euh, pas forcément avec l'actualité mais en tout cas avec une forme de de rapport euh, au monde réel qui était euh, autour de nous et là, quand on parle de fantaisie, on a le, 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 la première réaction, c'est de se dire que bah, la fantaisie, c'est n'est pas du tout le monde réel. Justement, parce que c'est la fantaisie, c'est l'imaginaire, c'est l'évasion, comme Yanis le rappelait, c'est un courant qui, qui est en réaction à l'influence de plus en plus prégnante de l'homme sur la nature et presque sa destruction par l'homme. Donc finalement, on est loin du réel. Et comment est-ce qu'on raccroche les wagons mais ce qui m'a vraiment intéressé dans ce, dans ce travail euh, sur ce jeu vidéo, c'était de se dire que c'était certes de la fantaisie qu'on parlait, mais c'était aussi du genre de la fantaisie, du genre euh, littéraire que ça représentait, justement du rapport des auteurs de fantaisie avec le monde dans lequel ils vivent, de ce qu'ils essaient de dire du monde dans lequel ils vivent à travers leur travail euh, littéraire. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'a pas asséné euh, frontalement, puisque de prime abord, l'histoire du royaume d'Istial semble être une, une histoire d'aventure avec une enquête où il faut essayer de, de comprendre pourquoi le royaume d'Istial va mal. Mais en filigrane, tout au long de l'histoire, et puis avec les petits à côté, les éléments qu'on peut récupérer quand on trouve des objets ou quand on trouve des monstres, quand on rencontre des monstres dans le, dans le jeu, on a euh, disséminé... Euh, plein d'explications sur ce que dès le genre de la fantaisie, sur euh, les symboles qui étaient utilisés, sur euh, les personnages principaux qui étaient euh, qui revenaient régulièrement et c'est là qu'on retrouve le rapport au réel. C'est là qu'on retrouve presque une, une œuvre un petit peu euh, analytique de ce que représente un courant littéraire euh, comme celui de la fantaisie. Et ça ça m'intéressait beaucoup de pas être frontalement dans quelque chose de de critique et d'analytique, mais euh, d'être d'une manière un peu plus expérientielle, qui est le langage du jeu vidéo, de vous proposer des expériences, d'être d'une manière un peu plus expérientielle dans la description de ce courant littéraire, de ce qu'il représentait, et de ce pourquoi, à mon avis, il avait un vrai impact auprès d'un si grand public euh, que la fantaisie a pues eh, teniendo en cuenta que eso, que la fantasía y hablar un poco sobre le género fantástico es l'objectif principal que tenéis al desarrollar le proyecto, me gustaría preguntaros eh, qué tipo de ideas podemos encontrar en el juego. qué es exactamente lo que vosotros vouliez transmitir? Eh, en fait, l'idée le, le, du, du royaume d'istial, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais au début de l'interview, c'est euh, ce site, il est à la fois un site de référence pour comprendre comment est né, comment s'est développé, comment s'est diffusé ce genre de la fantaisie mais c'est aussi un site qui se veut pédagogique et qui veut être utilisé en classe. Et à la fois, nous proposons des séquences pédagogiques qui sont très classiques, qui sont habituelles, qu'on retrouve habituellement en classe, mais on voulait aussi, avec ce jeu vidéo-là, permettre aux jeunes, mais aussi au grand public, de découvrir... La fantaisie par l'expérience, c'est ce que disait, je rejoins tout à fait ce que disait Florent juste auparavant. Euh, il y a deux types d'apprentissage. En fait, il y a soit un apprentissage cognitif qu'on peut retrouver dans le site de manière classique, et puis un apprentissage par l'expérience, par le fait de se plonger, de s'immerger dans un monde et d'en de, et de, et devenir un, non plus un spectateur, mais un acteur, d'intégrer ce monde-là, de devenir l'un des personnages de la fantaisie, de découvrir que la fantaisie, c'est un, un monde qui est un tiré d'un du, 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 courant médiévaliste où on, on remanifie un petit peu le Moyen-Âge, on le transforme, on l'habille avec des couleurs, avec notre regard d'aujourd'hui, pour découvrir des peuples qui sont parfois des symboliques, les elfes, les, les nains, les hommes, les hobbits, les, euh, les gobelins, les, les orques, donc toutes des notions de bien et de mal qui sont réparties dans cet dans cette univers-là. Et le, le royaume d'Istial, vraiment, voulait euh, compléter la vision ou l'apprentissage cognitif de ce qu'est la fantaisie pour permettre à tout un chacun de se plonger dans ce jeu là, de découvrir la fantaisie, d'en devenir l'acteur pour ensuite aller chercher peut-être des références un petit peu plus livresques, un petit peu plus littéraires. Puisque le site propose énormément toute une liste de livres à lire depuis les origines du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, parce que nous sommes aussi la Bibliothèque nationale de France, notre ambition c'est aussi de pousser les jeunes à lire, de pousser à apprendre aussi, à jouer aussi aux jeux vidéo, à consulter, à lire, à voir des films, consulter des séries télévisées. Je veux dire, on est, nous ne sommes plus à un temps où on a une espèce de classification de la connaissance avec un savoir académique et puis d'autres savoirs un petit peu plus ignobles, un petit peu moins bien classés dans l'esprit des gens. On est vraiment dans un genre qui, lui, est multimédia. Et ce jeu, ce, ce royaume de la fantaisie, ce royaume vistial, Permettez de plonger dans cet univers-là et de le ressentir par ses tripes. Parce que quand vous êtes face à la sorcière qui vous, donne une, qui vous pose une énigme, ou quand vous vous retrouvez face au dragon qui crache le feu dans la grotte que vous allez retrouver dans le royaume d'Istial, mais je ne veux pas teaser le jeu, je vous propose plutôt d'aller jouer, d'aller vous plonger dans cet univers-là, d'aller trouver les indices qui vous permettront de progresser dans le jeu. Tout cela pour savoir à la fin de ce jeu. Je ne veux pas dévoiler le, la, la fin du jeu. Il y aura une quête, c'est vraiment, vraiment constitutif de la fantaisie, cette quête, cette volonté de savoir, de se transfigurer et d'être un personnage ordinaire ici, derrière son écran, mais de devenir un acteur de la fantaisie, de devenir un personnage de la fantaisie. Et en fin de jeu, normalement, vous devez être affilié aussi à un des grands groupes, à des, grands groupes des personnages qui composent la fantaisie. Pues eh, dejando a un lado la, las ideas del juego y su narrativa, eh, me gustaría preguntarte, Florent, por las mecánicas, porque os habéis decidido eh, por una visual novel y me gustaría conocer qué es lo que aporta eh, al jugador el, el género dentro del videojuego. Bueno, entonces, es verdad que. Y hay plusieurs cosas. Uh... On dit souvent que les, les ados, le jeune public, alors même si Yannis l'a rappelé, ce jeu n'est pas à destination que du jeune public, ni des adolescents. On peut jouer en étant adulte, c'est pas un problème, mais on dit souvent que le jeune public ne lit plus. On entend beaucoup dire Ah oh là là, les, les jeunes ne lisent plus, c'est horrible, c'est dramatique et tout. Et en fait, moi, je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que euh, d'abord, en fait, les, les jeunes lisent tout le temps dans leur vie quotidienne, ne serait-ce que quand ils s'envoient des messages, ne serait-ce que quand ils vont sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que… En fait, la lecture en tant qu'activité a peut-être jamais été aussi présente dans la vie euh, des jeunes qu'elle ne l'est euh, en ce moment, euh, depuis quelques années, depuis euh, l'avènement de, des téléphones portables, par exemple, enfin, des téléphones euh, intellig dits intelligents. Euh, donc je pense pas en fait que ce soit vrai que les jeunes ne lisent plus. Euh, et je pense aussi que euh, quand on leur propose une histoire qui va les accrocher, en fait ils, ils demandent que ça en fait. Et c'est normal ça pour le coup c'est pas quelque chose de neuf. Euh, le pouvoir des histoires, la force de la narration, du récit, des romans, c'est quelque chose qu'on connaît depuis euh, depuis euh, l'épopée de Gilgamesh. Ça fait quand même peut-être 5000 ans quelque chose comme ça. Donc euh, c'est quelque chose qu'on sur lequel on peut être relativement confiant que ça fonctionne et que ça peut euh, transmettre euh, des choses. Donc le genre de visual novel, euh, il avait ce, cet intérêt-là principal. On parle d'un genre littéraire en, en racontant une histoire sous forme d'œuvre littéraire. Alors, œuvre littéraire, je ne veux pas non plus euh, s, euh, euh, sembler trop pédant. Évidemment, on ne compare pas euh, euh, le Seigneur des Anneaux et le Royaume d'Istialt en termes de, euh, ni d'ampleur, ni d'œuvre, ni de qualité littéraire, etc. Mais c'est intéressant de se dire qu'on peut utiliser la forme qui est celle du roman, puisque le visual novel, c'est un roman visuel. On peut utiliser cette forme pour raconter l'histoire, la genèse, le, le, la substantifique moelle d'un genre littéraire. Et puis dans visual novel, il y a novel, mais il y a aussi visual. Et c'est vrai que... Euh, on était très très enthousiaste à l'idée de trouver euh, une illustratrice ou un illustrateur qui pourrait nous plonger dans l'univers vraiment et que on puisse mettre le jeu en plein écran et pam, avoir euh, l'univers qui est raconté par les mots mais qui est aussi raconté par les images et qui nous saute au visage presque et ça c'est on est très heureux euh, de trouver euh, anatole finstark pour, euh, nous, pour faire les illustrations du jeu parce qu'il a vraiment un univers, c'est-à-dire qu'il connaît tous les codes de la fantasy. Il a regardé toutes les séries, il a lu tous les livres. Il, il m'a, pendant qu'on est en train de faire le jeu, on a disserté sur le dernier épisode de Game of Thrones et lui, il l'avait déjà vu trois fois alors qu'il était diffusé la veille. C'est un grand fan de fantasy, mais... En même temps, il y amène sa patte personnelle, une, une forme de modernité, une forme de sensibilité qui n'est pas nécessairement présente dans toutes les représentations de la fantasy. Et donc, le visual novel, il avait à la fois cette approche littéraire et à la fois cette approche visuelle vraiment impressionnante qui va très bien avec les univers de fantasy. Donc, assez vite, on s'est rendu compte que c'était probablement la meilleure forme, en tout cas pour faire ce qu'on avait envie de faire avec la BNF. Pues para ir ya cerrando la entrevista, Janice, eh, me gustaría preguntarte cuál es la recepción que, que han tenido pues, pues el público del juego, porque claro, eh, es, es un juego que va dirigido a lectores. Entonces, lo que me interesa es saber cómo los lectores se han adaptado a este cambio de formato. Euh, la réception était très bonne, mais je vais juste faire une petite parenthèse pour pour euh, pour euh, compléter aussi ce que disait Florent par rapport à l'opposition entre le, le jeu vidéo, la littérature. Euh, aujourd'hui, on n'est plus dans une opposition entre le livre et le numérique. On ne dit plus aujourd'hui le numérique va chasser le livre. On se rend bien compte que c'est faux. Euh, la, la, les ventes de livres ne s'effondrent pas et le numérique ne chasse pas le numérique, Le numérique ne chasse pas le livre ou le support papier. Il le complète. Il est une nouvelle forme d'expression artistique et effectivement. Je voulais le souligner. La BnF aussi a vocation à, à conserver, à, à proposer le patrimoine ancien pour les générations futures. Mais que faire de ce patrimoine ancien, de cette culture ancienne, si elle ne propose pas, si elle ne si elle ne permet pas de de, de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et ne ne propose pas aussi un socle pour pouvoir faire des créations originales Le site a été euh, a été réalisé, produit par Florent Morin, qui a été le, le game designer et aussi le scénariste. C'est lui qui a écrit tous les dialogues de manière originale. Ce c'était pas, un, pas de, un texte qui existait auparavant. Donc Florent a vraiment imaginé cet univers-là, raconté cette histoire-là autour du royaume d'Istiald. Il a été accompagné par un illustrateur original, euh, Anato Finstar, qui le rappelait. Tout cela aussi en travaillant avec des, 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 des agences de numérique. À la fois dans le web et dans le jeu vidéo, et puis chapeauté aussi sous, la, sous la, la, bienveillante, euh, la bienveillante coordination scientifique d'Anne Besson, qui est la grande spécialiste française de la fantaisie, qui est une, qui est une universitaire qui travaille à l'université d'Artois, dans le nord de la France, et qui a permis un espèce de mix entre l'université, le storyteller, le journaliste, le passionné, et puis aussi l'illustrateur, et puis ce fond de fantaisie qui est complètement. Qui est extraordinairement vaste en fait. Donc s'appuyer sur le patrimoine et la culture passée pour proposer des créations originales, c'était aussi le but de, du Royaume d'Istial Et pour répondre à, ta, à votre question, Martin, à ta question, Martin, euh, nous avons proposé le jeu et c'est pas un hasard à la Paris Games Week en avant-première, donc euh, le, en octobre dernier 2019, nous avons été à la Paris Games Week, donc nous avons voisiné avec euh, Final Fantasy, euh, je ne sais plus quelle est la, version, la dernière version qui a été hein, qui a été sortie, euh, avec Fortnite, avec tous les grands jeux vidéo mmh. du moment. Nous avions un stand, nous étions à, ce, à côté d'ailleurs du stand du Centre Pompidou qui lui aussi proposait un autre type de jeu vidéo, pas sur la fantasy, mais un jeu vidéo aussi. Donc vous voyez que les grands établissements français vont de plus en plus vers ce genre de la vidéo là et on a reçu un, pub, un, un succès à la fois médiatique très important et public très important. Florent a été, on s'est retrouvé à faire des conférences, Florent beaucoup plus que moi, à aussi faire des conférences pour expliquer aussi et pour donner des lettres de noblesse à ce, jeu, à ce genre de la, du jeu vidéo et de ce visual novel. Et puis un visuel novel, ce n'est pas un jeu d'action comme on peut l'entendre habituellement, mais c'est un jeu aussi où on promeut la littérature. Et là, on promouvait aussi la création originale d'un auteur, parce que Florent est un auteur. Et finalement, le lien entre ce genre de la fantaisie, qui est un genre littéraire, et puis le jeu vidéo, mais qui est un, vidéo, un jeu vidéo où il y a un dialogue, où il y a une histoire, où on raconte quelque chose, où on devient un personnage, c'est une histoire dont on est le héros, en fait, finalement. C'est un petit peu dans le prolongement de nos livres. De notre jeunesse, où avec un dé et un stylo, on prenait des routes différentes pour aller affronter tel ou tel monstre, rencontrer tel ou tel magicien et devenir soi-même un chevalier, un magicien, un elfe ou un nain ou autre chose. Et donc le lien était vraiment organique, je dirais, entre la création passée et la création moderne, entre la manière, la manière plutôt classique d'apprendre et les nouvelles manières d'apprendre aussi, qu'on ne doit pas rejeter, qui au contraire sont plutôt l'avenir et un avenir qui doit être articulé, je dirais. Et je crois, Yannis, aussi que le, le jeu a eu euh, pas mal de succès pendant le confinement aussi, puisque justement, les gens devant rester chez eux et ne pouvant pas. Euh, j'ai cru comprendre que la fréquentation du jeu s'en est ressentie positivement à ce moment-là. Oui, tout à fait. On est, euh, pour, pour te donner un exemple, je crois qu'on est un petit peu en dessous de. j'ai je pas envie de dire des bêtises. Avant les, avant les grandes vacances, avant les, le mois d'été, on était à 70 000 téléchargements. Donc, je pense qu'on ne doit pas être très loin d'approcher les 100 000 téléchargements du jeu, ce qui est quand même. Très important pour un jeu vidéo qui est associé à un site de référence sur une, un, un genre littéraire. Donc, on n'est pas non plus dans des, jeux, dans des jeux de portable très faciles à utiliser sans avoir à réfléchir. C'est quand même un jeu où on a besoin d'une implication du joueur. Quand je dis que le joueur devient le héros, c'est vraiment qu'il s'investit dans ce jeu-là. Ce n'est pas un jeu qu'on fait euh, entre deux chaises. C'est vrai qu'à la Paris Games Week, moi, j'avais été très euh, agréablement surpris de voir que même dans un contexte de salon, où as tous les derniers jeux les plus euh, affriolants qui t'entourent il euh, y avait plein de un, un, un public très nombreux qui s'asseyait qui essayait le jeu, parfois cinq minutes parfois un quart d'heure, parfois jusqu'à finir la version de démonstration qu'on avait et il y avait une vraie, un vrai appétit pour euh, l'univers je pense que les gens aussi, pour une partie d'entre eux étaient un peu étonnés de voir, mais ça c'est la BNF qui fait ça, bon, il y avait un petit, un petit côté un petit peu euh, euh, Début, euh, comme le fait que Arte maintenant fasse des jeux vidéo, on se dit Ah, mais à ah bon Arte fait des jeux, à ah bon la BNF, le Centre Pompidou font des jeux. Et puis, euh, c'est presque une valeur d'appel, en fait, euh, la curiosité que provoque le fait que les grandes institutions culturelles françaises se penchent sur le jeu vidéo, non pas seulement en tant que, que, que euh, euh, devoir patrimonial ou critique ou émission de télé qui parle de jeux vidéo, mais qui mettent les mains dans le cambouis et font du jeu vidéo. Euh, les gens sont, sont curieux de ça et ensuite, une fois qu'ils sont dans, qu'ils ont plongé dans l'univers, bah, ce qu'on voyait à la, à la Paris Games Week, c'était un vrai, euh, un vrai attrait, une vraie, euh, une vraie euh, passion pour savoir ce qui allait se passer, etc. Et ça, ça fait, ça fait toujours extrêmement plaisir parce qu'on sait que c'est des jeux qui sont exigeants. On sait que euh, le Royaume du Sciald, c'est plus exigeant que euh, Candy Crush ou que euh, Fortnite. Euh, qui se prennent en main très vite, c'est qu'ils sont très satisfaisants d'un point de vue euh, dopamine, euh, ah euh, donc, saturation des, ré des récepteurs nerveux, etc. Nous, ce n'est pas notre cas. Donc, euh, quand on voit que ça fonctionne aussi, ça fait toujours euh, très plaisir, hein, c'est sûr. Et, et puis de voir, Martha, pour compléter, pour voir euh, ce stand de la BNF euh, qui était organisé autour du Royaume d'Istial et décoré aux couleurs du Royaume d'Istial, et de voir la direction de la BNF, de voir le directeur général de la BNF, Assez, de manière assez drôle, jouer avec des enfants d'une douzaine d'années, puis avec leurs parents qui finalement se prêtaient au jeu, ou des conservateurs de la BNF, ou des agents de la BNF, ou des gens qui étaient de passage, ou même des journalistes, à se retrouver sur ces huit postes qu'on avait mis au pub, à, à disposition du grand public, on sentait bien que c'était déjà intergénérationnel, que le statut des gens était complètement différent, et de les voir sourire et de s'amuser et essayer de savoir s'ils étaient un elfe, un nain, ou un magicien, c'était quand même assez drôle. Donc, déjà, rien, de, rien que de voir le stand, des, on sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait, en fait, et qu'on a retrouvé ensuite en ligne, au vu du succès de l'audience la, de la, de qui a reçu le jeu. Pues, eh, muchas gracias pour toutes vos respuestas. Eh, ha Habéis sido magnifiques. Et eh, nous, nous acabamos aquí, en réalité. Así que, nada, muchísimas gracias pour la entrevista, Yannis, Florent. Y... Muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Hasta la próxima. Gracias. Bye bye.